Que je sais, il est trop puissant pour sauver. Il est trop puissant pour te visiter, alléluia, pour essuyer des larmes, pour changer le mal en bien. Il est tellement fidèle, il a laissé le ciel afin de venir mourir, pour donner la vie. Il donne la vie à tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur, alléluia. Voilà pourquoi nous chantons avec Jésus, nous devons y arriver, quelle que soit la condamnation. Quelle que soit la misère, toi espère à l'Éternel et ton Dieu qui pourrait te bénir ou de te combler de tout ce que tu as besoin. Voilà pourquoi nous disons, il est le Dieu de vivants. Alléluia. Il n'est pas le Dieu des morts. Alléluia. Il est le Dieu des vivants. Voilà pourquoi tu dois espérer, quel que soit les circonstances qu'on voit maintenant dans ce monde,
dans les églises, dans le monde chrétien. Toi, espère, braque tes yeux vers les montagnes d'où pourrait te venir le secours. Car la Bible dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Voilà pourquoi nous continuons à espérer. Voilà pourquoi nous ne pourrons pas baisser. Car il est le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Espère à lui et tu vivras. Il agira. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est notre journée de français. Alléluia. Nous allons parler des actes des apôtres. 15. Et nous allons prendre la deuxième partie. Donc 15, 22 à 41. Pourquoi nous parlons des actes des apôtres? Nous parlons des actes des apôtres parce que l'église est malade. Nous parlons des actes des apôtres parce que la Bible dit il y aura un temps d'apostasie. L'apostasie, c'est-à-dire les gens qui vont abandonner le Seigneur. Et il y aura aussi beaucoup qui vont se décourager. Voilà pourquoi nous parlons des actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est la fondation que les apôtres ont pu poser, que nous on suit. Alléluia. Car un disciple, c'est quelqu'un qui fait comme son maître. Voilà pourquoi nous parlons des actes des apôtres, parce que l'église est malade, alléluia. Les enfants de Dieu sont perdus et les serviteurs de Dieu sont sortis, sont détournés de la vérité. Voilà pourquoi nous parlons des actes des apôtres, alléluia. Car le temps est venu de parler de ça, car nous sommes dans les temps d'apostasie. Alléluia. Les temps d'apostasie demandent de parler de la part de l'Éternel et la vérité. Demandent les apôtres, refassent la fondation et demandent les prophètes pour éclaircir. Alléluia. Un prophète sert à édifier, expliquer, consoler. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons des actes des apôtres. Afin que nous arrivons à quelque chose, car bientôt Jésus revient. Et tous les signes sont visibles. Et nous allons prier. Et après, nous allons parler des actes 15. Et nous allons parler de 22 à 41. Et nous allons voir comment l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas se sont séparés à l'acte 15. Alléluia. Ils se sont séparés là. Ils n'ont plus fait la mission ensemble. Alléluia. Pourquoi ils se sont séparés? Nous allons le voir. Alléluia. Et qui a continué les chemins qu'ils ont commencé? Alléluia. Car quand deux personnes se séparent, Dieu va avec un. Il abandonne l'autre. La Bible nous montre comment Abraham s'est séparé de Lot. Et Dieu était avec Abraham. Et Lot, il a fini par Sodome et Gomorre engendrer la descendante de Moabite et de Ammonite. Donc, nous voyons aussi aujourd'hui comment l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, prophète Barnabas, se sont séparés. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment. Nous allons prier. Car la Bible dit, avant de commencer toutes choses, nous devons nous tourner vers Dieu. Alléluia. Afin de donner, de lui remettre notre temps. Alléluia. Nous devons rendre aussi gloire, car à chaque chose, nous devons rendre gloire à notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te disons merci pour ces moments merveilleux, Seigneur, que tu nous permets encore de parler de toi. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés. Tu as voulu, Seigneur, que nous soyons ce samedi, car beaucoup ont dormi, ne sont pas réveillés.
Mais tu nous as réveillés par ta puissance. Seigneur, nous te disons merci. Car dormir, c'est réveiller, ce n'est pas dans les habitudes. C'est parce que tu as voulu. Nous te disons merci, nous te rendons gloire. Nous te disons merci, nous t'adorons, nous te louons. Là où tu es assis sur ton trône et revêtu de puissance et de gloire, entouré de magnificence, en train de te prosterner jour et nuit par les saints d'Israël, saints, saints, saints. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui vient, nous aussi nous te disons alléluia, sois loué, béni. Nous aussi nous t'élevons ton saint nom. Seigneur, nous te bénissons, nous t'acclamons, car tu es le Dieu de puissance et tu nous as permis ces moments. Nous te disons merci. Merci pour la paix, merci pour la vie. Merci parce que tu as gardé nos enfants, nos familles, parce qu'il s'est trouvé. Tu as étendu ta main de puissance, nous te disons merci. Sois loué à jamais le Dieu puissant, le Dieu d'Israël d'éternité en éternité. Éternel des armées, Elohim est le Dieu créateur, celui qui a fait toutes choses et par son intelligence, ni l'incomparable à toi, le véritable. Voilà pourquoi nous te louons, nous t'adorons, car tu es Dieu, tu resteras Dieu. Ni l'incomparable à toi, El Shaddai. Yenobo Sakaya Baba, toi qui pourvois Jéhovah Jireh, les Rapha qui guérit toutes les maladies incurables, ni l'incomparable à toi, ni le puissant comme toi, le véritable, celui qui est assis sur son trône, entouré de magnificence et notre intercesseur, notre appui, qui est notre bouclier, notre gloire. Voilà pourquoi nous t'élevons, amis fidèles, le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Sois loué, béni le Dieu de grâce. Le Dieu qui sauve, l'Éternel des armées, celui qui combat pour moi, même quand je dors, même quand je suis fatigué, ni l'incomparable à toi, le véritable. Sois loué, béni. Nous bénissons ton nom, ta puissance et ta présence parmi nous. Nous te disons encore merci, car nous voici en bas de ta croix, Seigneur. Nous prosterner afin que tu nous pardonnes, car la Bible dit, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous implorons, Seigneur, grâce et miséricorde, afin que tu nous pardonnes. Car tu as dit dans ta parole, si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, si mille prières, si se détourne, Lolo, si se détourne de leurs péchés, moi, l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Tu as même dit plus loin, la prière qui sera faite en ce lieu, tu l'exauceras. Voilà pourquoi nous, ton peuple, nous nous prosternons en bas de la croix afin que tu nous pardonnes, afin que tu ôtes le péché qui peut empêcher la gloire, qui peut empêcher la délivrance, qui peut empêcher la guérison, qui peut empêcher ta main, qui peut empêcher, Seigneur, oh, ton alliance avec nous. Seigneur, ôtez le péché, c'est toi qui pardonnes. Si tu ne nous pardonnes pas, qui nous pardonnera? Pardonnez-nous pour l'amour de ton nom. Pardonne-nous parce que tu es fidèle. Pardonne-nous parce que tu as fait une alliance avec ton peuple. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, de nous pardonner. Car nous sommes conscients que nous avons péché. Comme le fils prodigue qui est parti. La Bible dit, il est rentré en lui. Il a reconnu sa faute. Il est revenu chez son père et son père l'a recueilli. Et voilà, nous aussi, Seigneur, nous sommes entrés dans notre intérieur. Nous sommes conscients de nos péchés. Pardonnez-nous, alléluia, que ton sang nous vivifie. Car la Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, de nous pardonner, de nous vivifier par ton sang, de nous laver, de nous sanctifier, car tu veux que nous soyons sanctifiés. Voilà pourquoi tu as dit à Moïse, dis à ce peuple de se sanctifier, car demain je descendrai pour les voir. Oh Dieu, laisse que le sang de Jésus nous sanctifie, nous purifie, afin que nous nous rencontrons avec toi, afin que nous arrivions à nous rapprocher au plus près des trônes de grâce. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie de tout péché. Que ton sang nous transise afin que nous soyons des bons disciples. Car nous voulons, Seigneur, témoigner ton nom. Laisse que ton sang y agisse. Que ton sang, Seigneur, nous guérisse et nous délivre. Que ton sang, Seigneur, nous rend invisible devant l'ennemi. Que ton sang y agisse puissamment.
dans nos vies. Que ton sang brise toutes alliances démoniaques qui pèsent, Seigneur, nous empêcher ta gloire. Car que ton sang soit notre bouclier. Laisse que l'Esprit Saint vienne nous assister. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, car le Seigneur a dit, je vous enverrai une puissance démonstrative. Voilà pourquoi je préfère m'en aller, afin que je vous envoie ce que le Père a promis. Oh Seigneur, envoie ce que le Père a promis, car nous avons besoin de ta puissance, de ton esprit, afin d'y arriver à la mission. Yendo-Bosan, quand nous voyons les actes des apôtres, à chaque fois, le Saint-Esprit désigne quelqu'un pour parler de ta part. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlaient de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi pour l'édification de l'Église, pour encourager. Yebo sakaya baba, yenda la baskaya basenta, et Saint-Esprit, viens opérer, sois libre, sois opérationnel, touche des malades, yenda la basekaya baba, oh Saint-Esprit, agis selon ta coutume, car tu agis, nul ne peut voir et comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manquait la connaissance. Oh Saint-Esprit, c'est ton temps. Sois libre, mille Dieu, nous, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons bénéficier de toi, Saint-Esprit. Remplis-nous de ton onction, de ta puissance, Saint-Esprit. Agis, touche la vie, console. Car nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Et nous voulons que tu règnes. Nous voulons que tu règnes. Nous invoquons ton règne. Oh Saint-Esprit, nous voulons que tu règnes. Seigneur Jésus, sois élevé parmi nous. Quand tu es élevé, nous pourrons y arriver. Quand tu es élevé, nous pourrons avoir des victoires. Voilà pourquoi nous voulons que tu sois élevé. Nous voulons ton règne, nous voulons ton règne. Là où tu règnes, c'est l'absence totale de l'ennemi, des problèmes, des maladies, des condamnations. Voilà pourquoi nous te confions ce moment. Sois loué, béni, merci pour ton œuvre. Merci car tu nous as promis, je serai avec vous jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous te disons merci encore. Sois loué, béni, rédempteur de toutes tes âmes. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Alléluia, merci Jésus. Merci. Alléluia. Nous te disons merci, nous te proclamons roi des rois. Alléluia. Sois loué, béni. Alléluia, merci Jésus. Merci pour ton œuvre. Merci Seigneur pour ton alliance. Nous te disons merci. Parce que tu es au centre, parce que tu prends tout. Alléluia. Sois loué, béni pour ton règne parmi nous. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Nous sommes aux actes des apôtres. Alléluia. Actes des apôtres 15. Nous allons parler des actes des apôtres 15. L'autre fois, nous avons parlé l'acte des apôtres 15 à partir de 1. À 21. Et aujourd'hui, nous allons parler des actes des apôtres à partir de 22 à 15. Alléluia. Nous allons parler de ça. Eh bien, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Donc, nous prenons nos Bibles à Actes 11. À Actes 15. À Actes 15. Alléluia. Et nous allons lire notre lecture. Ça va être chaud. Nous allons voir comment l'apôtre Barnabas et l'apôtre Paul, comment ils se sont séparés. Car c'est l'apôtre Barnabas qui a introduit
l'apôtre Paul dans sa mission. Alléluia. Dieu utilise les gens pour nous amener quelque part. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter si tu te sépares d'une personne ou tu te sépares de ton père spirituel ou tu te sépares même de ta famille. Tu ne peux pas te soucier parce que aujourd'hui nous allons voir comment apôtre Paul et Barnabas se sont séparés. Donc ils se sont séparés à Actes 15 jusqu'à la fin. Et nous allons plus revoir apôtre Barnabas et apôtre Paul ensemble. C'est fini. Ils se sont séparés parce qu'il y a eu des traductions, il y a des contradictions, il y a eu des malentendus. Et ils ont voulu faire selon eux. Et Dieu n'a pas permis. Ils se sont séparés. Voilà pourquoi nous devons faire les choses de Dieu spirituellement selon ce que le Saint-Esprit nous demande. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir. Alléluia. Actes 15, 22 à 41. Alors, les apôtres, je suis là au 22. Alors, les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, décident de choisir parmi eux des délégués. Ils décident l'ensemble de l'Église. Donc, l'Église décide. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes, quand nous nous levons le matin, nous faisons selon nous. Et c'est pourquoi nous nous sommes échoués. Alléluia. Donc, toutes les apôtres et les anciens, avec toute l'Église, décident. Alléluia. Ils décident ensemble. Donc, ils faisaient les choses ensemble. Ce n'est pas, oui, moi je suis apôtre Paul. Non, moi je suis Barnabas. Ah non, 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 moi je suis ancien, non. Ici, les apôtres, pluriel. Et les anciens, pluriel. C'est au pluriel. Et toute l'Église, c'est toujours au pluriel. Donc, ils ont pris, ils ont résolu de faire. Et quand tout le monde sont d'accord, c'est là où on peut arriver à quelque chose. La Bible dit, deux personnes peux-tu marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Non. Donc ici, tous étaient ensemble. Ils vont les envoyer à Antioche de Syrie avec Paul et Barnabas. Ils choisissent Jude, appelé aussi Barnabas. Et Silas, c'est là où on voit Silas apparaît à 15. Alléluia. Ça va être chaud aujourd'hui. Alléluia. Nous voyons Silas apparaît. Des hommes qui ont de l'autorité parmi les frères. Et dans l'autre français, Louis II nous parle. C'est des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Ce n'étaient pas les gens ordinaires. C'était les gens remplis du Saint-Esprit. C'était les gens qui avaient la crainte de Dieu. On les envoie. Alléluia. On ne peut pas envoyer le menteur. On ne peut pas envoyer ce que la Bible dit. Ces gens auront l'évangile pour leur ventre. On ne peut pas les envoyer. Ici, la Bible choisit Paul, Barnabas et Silas et Jude. Les gens très importants. Alléluia. Dans l'autre français, la Bible nous dit, c'est des gens remplis du Saint-Esprit, craignant Dieu. Les gens capables à la mission. Les gens qui pourraient avoir un cœur de pardonner. Les gens qui devaient avoir un cœur de supporter. Les gens qui devaient avoir un cœur d'aimer. Alléluia. Car la Bible dit, là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. Et ils envoient ses frères. Oui, parmi... Oui, Barnabas et Silas, des hommes qui ont de l'autorité parmi les frères. Donc, il y avait toute la communauté, mais ils n'ont pas envoyé toute la communauté. Dans la communauté, dans nos communautés, il y a des gens capables. Il suffit que le Saint-Esprit te réveille. Même toi-même, tu le vois.
Mais tu ne veux pas y accepter. Voilà pourquoi les choses de Dieu sont blasphémées. L'église est malade. Alléluia. Ici, Actes 15, 22. Il résolut d'envoyer quelques personnes, malgré la communauté était grande. Mais ils choisissent 4 personnes. Alléluia. On ne peut pas choisir tout le monde. Et on ne peut pas non plus choisir par nos sentiments. On peut que choisir par la volonté du Saint-Esprit. Comme à 14, la Bible dit, à 13, la Bible dit, le Saint-Esprit dit à l'église, mettez-moi Paul et Barnabas à côté pour mon œuvre. Alléluia. Ici, les apôtres, pluriel, pas l'apôtre, pas le pasteur, pas archibishop, pluriel avec un S. Alléluia. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'église doit être malade. Car l'apôtre Paul dit, si on vient vous enseigner ce que nous avons pas fait, que ces gens-là soient anathèmes. Alléluia. Et l'église doit être malade parce que nous faisons tout ce que nous voulons. Oui, lui, il a beaucoup d'argent. Lui, on doit lui placer plus haut. Comme ça, l'église ne manquerait de rien. On ne peut pas aider Dieu. Car la Bible nous montre un jour, dans l'Ancien Testament, quand il transportait l'arche de l'Éternel, qui devait rentrer à Jérusalem. Et la Bible nous dit, il y a eu Uzza qui a voulu aider l'arche. Et il était frappé de mort. Il était mort d'un coup. On ne peut pas aider Dieu. Tu ne peux pas choisir une personne parce qu'il te donne l'argent, non. Tu ne peux pas choisir une personne parce qu'il est là toujours ou quoi, avec un intérêt. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu dois faire la volonté du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, les choses, pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Nicodème n'avait pas compris. Ces choses appartient au Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous allons vraiment expliquer pourquoi l'Église est malade. Alléluia. Pourquoi l'Église est malade? Parce que à l'Église, nous avons 5 personnages. Jésus-Christ a trouvé l'Église pour les gens qui n'ont pas encore écouté ou entendu notre thème principal. Notre thème principal, avant de commencer les actes des apôtres, on a commencé par 5 types de personnes à l'église. Jésus a trouvé Hérode, Jésus a trouvé les Juifs, Jésus a trouvé les Sadducéens, Jésus a trouvé les Pharisiens. Et quand Jésus est parti, là, il les a laissés. Jésus ne l'a pas fait sortir de l'église. Lui, il est Dieu, il pourrait le faire. Mais il les a laissés comme il dit dans sa parole, que laissez-les croître ensemble et à la fin, on va les arracher. Alléluia, pour les jeter au feu. C'est Jésus qui a permis que ces gens-là se retrouvent à l'église. Et Jésus, lui, l'a rajouté qu'il est chrétien. Donc nous sommes là 4 contre 1. C'est dire pour que tu vins. Pour vaincre ces 4 personnages, il faut avoir le Saint-Esprit. Voilà le problème. Voilà ce qui a tué l'église. Voilà, nous nous sommes sortis, nous nous sommes détournés de la parole. Quand tu vas à l'église, tu vas pour des amusements. Tu vas pour la distraction. L'église peut tuer. L'église peut donner la vie. Dans la crise, on trouve des voleurs à l'église. À l'église, on trouve les gens qui ne sont pas convertis à l'église. À l'église, nous avons des Sadducéens. Les Sadducéens, c'est des gens qui parlent bien, qui travaillent avec Hérode. Hérode, il est antichrist. À l'époque, les Sadducéens, c'était des gens qui travaillaient dans le gouvernement, qui travaillaient avec, qui collaboraient avec Hérode. Alors, Hérode, quand il te prenait, alléluia, il aime bien satisfaire les Sadducéens. Des gens riches, pleins de pognon, qui travaillaient avec Hérode, qui se trouvait dans l'église.
Comme aujourd'hui aussi, il y a des chrétiens qui travaillent dans le gouvernement. Donc c'est ça qui était les Sadducéens. Les Juifs, c'était les pères de l'Église. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ces Juifs, ils ne vont pas t'accepter. C'est pourquoi tu ne dois pas te décourager. Il faut comprendre ces choses. Tu ne dois pas te décourager parce qu'à l'église, on ne te veut pas. Et comme tu as manque de connaissances, tu vas abandonner. Et voilà pourquoi nous parlons, dans les derniers temps, il y aura l'apostasie. L'apostasie, c'est les gens qui auront l'abandon de foi. Et nous devons comprendre ces choses, car les pharisiens s'étaient déjà orgueillés. Un pharisien se croit à la top. Un pharisien, même s'il te dit merci, c'est dans ses lèvres. Alléluia. Un pharisien, c'est un orgueilleux. C'est un genre qui se prend pour quelqu'un. Même si tu réveilles un mort, même si tu fais qu'est-ce que tu veux de faire, même si tu fais des miracles, ces gens-là n'ont pas cru en Jésus. Ils ne l'ont pas non plus accepté. Tu dois faire attention quand tu viens à l'église. La Bible dit, veillez. Alléluia. Nous ne devons pas endormir. La Bible nous encourage, réveille-toi, toi qui dors, entre les morts. Car dans l'église, nous sommes ensemble, nous sommes mélangés avec les gens qui ne sont pas chrétiens. Christ a juste rajouté chrétien et qui fait 5 personnages à l'église. Tu dois faire attention. Et voilà pourquoi tu vas voir à l'église, tu n'as que 3 personnes que le courant passe. Pourquoi? Parce qu'eux aussi sont des chrétiens comme toi. Tout le monde ne sont pas chrétiens à l'église. Alléluia. Tu peux tomber dans une église que le pasteur est Hérode. Hérode qui représente la tête. Alléluia, car Hérode a toujours voulu tuer Christ dès sa naissance. Alléluia. Il a voulu coopérer même avec les rois mages. Mais il était incapable d'arriver à sa mission. Et voilà pourquoi toi, tu dois t'accrocher au Seigneur. Tu dois t'accrocher par des prières, par la relation de Christ, par la consécration, pour ne pas tomber dans les mains d'Hérode. Car Hérode existe encore. Hérode, qui veut dire antichrist. Vous allez voir, vous tombez dans une église où le pasteur est déjà sorti détourné de la vérité, qui a maintenant ce Dieu. Et tu viens avec tes langues là, avec rempli du Saint-Esprit. Le pasteur ne va pas t'aimer. Il ne va pas t'accepter. Il va dire, ouh, avec le Saint-Esprit. Lui, il va dévoiler nos secrets. Et c'est pourquoi tu vas te trouver combattu. Tu dois comprendre ces choses. Et voilà pourquoi la Bible dit, vous allez tourner tous les rues de Jérusalem jusqu'au moment où le Christ va venir. Et voilà pourquoi nous avons vu à Actes 14, les apôtres étaient abattus. Pendant leur tournage de prédication à Iconium, on les a tapés à mort et ils avaient comme résolution de quitter cette place, d'aller ailleurs. Tu dois garder tes forces. Tu as besoin de forces car dans les choses de Dieu, nous avons besoin de 2 choses, la force et la puissance. Alléluia. Si tu n'as pas la force, même si tu as la puissance, tu vas laisser. Et voilà pourquoi nous voyons les gens remplis du Saint-Esprit. Arrête et tombe même. Alléluia. Tu as besoin de la force pour arriver. Tu peux avoir la puissance. Si tu n'as pas la force, tu ne vas pas y arriver. Et voilà pourquoi, prends garde à toi que personne ne te décourage. Personne. Si tu vois que quelqu'un est là à tes côtés, veut seulement te décourager, il faut quitter cette personne. C'est l'évangile, alléluia. L'évangile, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchirait et vous serez libre. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voyons beaucoup
qui sont découragés sont dans les maisons. On les a tellement chosifiés, on les a tellement persécutés et ça a engendré la haine. Et ils sont dans les maisons. Et voilà pourquoi je viens te dire que personne ne te décourage. À chaque fois, Dieu voulait marcher avec quelqu'un. Il voit Gédéon. Lève-toi, vaillant héros. Car Dieu marche avec des courageux. Dieu ne marche pas avec le fainéant. Alléluia. Les choses de Dieu, c'est les choses de courageux. Et voilà pourquoi nous voyons le Seigneur Jésus était avec des pierres, de tous ces gens-là, les douze. Mais il s'est révélé à Paul parce qu'il savait Paul pourrait avoir la détermination. Alléluia. Quel que soit le blocage, l'empêchement, Paul était capable d'y arriver à la mission jusqu'aux païens. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois garder tes forces, que personne ne te décourage. Alléluia. Fais attention de tomber dans les bras de ces gens. Alléluia. Afin que tu remportes le prix, comme l'apôtre Paul a dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Tu dois courir car le temps, nous n'avons pas assez de temps. Le temps est mauvais aussi. Tu dois veiller à cela. Alléluia. L'Église a résolu d'envoyer. Qui ont résolu à l'Église? Il y a les apôtres. Pas que les apôtres. Il y a aussi les anciens. Pas que les anciens. Il y a aussi tous les croyants. Ils ont décidé que 4 personnes doivent aller faire la mission. Alléluia. Voilà pourquoi, toi qui as eu la mission de Christ, toi qui es mandaté à témoigner Christ, tu dois collaborer. À chaque fois que tu ne veux pas collaborer, tu auras un souci. Tu ne pourrais pas aller de l'avant. Et tu seras un obstacle pour Christ. Et voilà pourquoi les apôtres ont réussi. Alléluia. Ils ont réussi à la mission. À 27. Donc, nous voyons Jude. Nous en voyons Jude et Silas. Ils vont vous dire directement ce que nous avons écrit dans cette lettre. Donc, quand il les a envoyés, ils ont envoyé une lettre. Alléluia. Je vais lire quand même au lieu de sauter comme ça. Il leur confie cette lettre. Les apôtres et les anciens saluent les croyants qui ne sont pas juifs et qui vivent à Antioche et dans les provinces de Syrie et à Cilicie. Nous avons appris ceci. Des gens de chez vous sont venus vous troubler et vous inquiétez par leurs paroles. Alléluia. Donc les apôtres ont appris que les chrétiens, les fidèles, étaient troublés par les paroles, comme je viens de le dire. Tu fais attention que personne ne te fatigue, que personne ne vienne te décourager. Fais attention, car la Bible dit « veillez ». C'est à l'impératif quand on les lit. Nous devons faire très attention que personne ne te décourage. L'état est grave. La mission d'Hérode, que les gens, que Christ doit soit tué, ça c'est la mission d'Hérode. Tu dois faire attention. Alléluia. Donc nous avons appris que les gens sont en train de troubler les enfants de Dieu. C'est les apôtres. Alléluia. Christ pleure. Qui enverrai-je? Comme la question était posée. Alléluia. Tu dois être un représentant de Christ, car Christ a laissé le ministre. Un ministre, c'est quelqu'un qui travaille dans un gouvernement. Et Christ est venu faire un gouvernement sur cette terre. Il a laissé les représentants.
parmi ses représentants, nous avons des juifs, nous avons des pharisiens, nous avons des sadducéens et Hérode, et nous avons aussi des chrétiens. Aujourd'hui, tout le monde sont égoïstes. Et surtout les gens qui parlent bien, ils sont tellement égoïstes comme des pharisiens. Ils n'ont pas pitié des enfants de Dieu. Nous devons comprendre ces choses. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Tu dois ouvrir tes yeux, tu dois enlever les sentiments pour suivre ton maître Jésus. Car tu dois remporter le prix comme l'apôtre Paul l'a dit. Je cours. Donc il n'avait même pas le temps de la distraction. Quelqu'un qui court n'a même pas le temps de se reposer. Donc, lui-même, il dit, tout le monde sont ministres, non? Eh bien, tout le monde ne peut pas être ministre. Moi, je le suis parce qu'on m'a tapé. J'ai dormi dehors. J'ai dormi en dessous de l'eau. Et j'ai été chassé. Donc, tout le monde ne peut pas représenter Christ. Arrêtons, arrêtons. Et à 25, c'est pourquoi nous avons décidé tous, ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer. Nous avons décidé tous ensemble. Alléluia. Les choses de Dieu vont ensemble. Lui-même, Jésus, était Dieu. Comment lui, Dieu, il vient choisir les 12? Malgré qu'il les accompagnait, c'est lui qui agissait. Mais il a choisi. Mais comment toi, un être humain, comme lui-même dit, vous, les arbres séchés, lui-même, l'arbre, frère, il a choisi 12 qu'il a fait la mission. C'était un grand symbole pour nous. Comment toi, tu veux décider que seulement toi, ou toi avec ta femme? Alléluia. J'étais dans une église et on venait d'aménager et on était en train de parler, de changer l'air, afin que ça permet les païens aussi viennent. Parce que l'église était, je crois, à 9h. Et pourquoi on ne met pas 11h? Ça peut permettre aux païens aussi de venir. Parce que les païens n'ont pas l'habitude de se réveiller très tôt. Pour les églises. Non, oui, on va voir. Ah oui, oui, oui. Les enfants ont dit. Les enfants ont dit. Non. L'église de Dieu, c'est pour Dieu. Nous devons faire comme les apôtres. Ici, ils ont résolu ensemble d'envoyer les missionnaires. Ils accompagnent nos chers amis Barnabas et Pierre et Paul qui ont livré leur vie au service de notre Seigneur. Livrer leur vie, c'est les gens. Depuis que j'ai commencé à lire la vie de Paul et Barnabas, je n'ai pas entendu qu'ils avaient leurs enfants. Je n'ai pas entendu, ils ont parlé de leurs femmes. Donc, c'est les gens qui ont consacré leur vie à Christ. Les choses de Jésus, ce n'est pas les choses de l'amusement. Alléluia, nous devons être très sérieux pour ces choses. Il y a des gens qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas eu des enfants, juste à cause de l'œuvre de Dieu. Ça demande beaucoup de consécration. Alléluia. Et toi, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne défends pas que vous vous mariez. Je conseille même pour ne pas tomber. Mais celui qui veut porter sa croix, qu'il n'a qu'à porter. Ça, c'est Jésus qui dit. Toi qui prétends, oui, moi, je suis serviteur de Dieu, servant de Dieu. Mais il te demande de porter ta croix. Alléluia, il n'a pas dit qu'il portera ta croix. C'est-à-dire, fais attention d'être appelé disciple. Fais attention. Ou appelé servante ou serviteur. Fais attention. Parce qu'il va te juger. Il ne t'épargnera pas parce que, oui, moi, j'ai fait ton œuvre. Non. C'est lui qui veut faire qu'il le fait comme il faut. Et c'est lui qui ne veut pas faire tant mieux qu'il le laisse. Alléluia. Comme le serviteur qui a pris l'argent qui est allé cacher en dessous. Et on l'a juste arraché. Je préfère même être comme ça.
Mais quand tu veux le faire, fais-le bien. Fais attention. Alléluia. Donc, ils ont, qui ont livré leur vie au service du Seigneur. 27. Donc, nous nous envoyons Jude et Silas. C'est là où on voit à 15. Silas apparaît maintenant à 15, aux actes 15. Depuis qu'on a commencé, Silas n'a jamais existé. Et c'est là où nous voyons Silas qui va nous dire directement ce que nous, ouvrons, que ce que nous vous avons dans cette lettre. En effet, le Saint-Esprit et nous-mêmes, nous avons décidé. Ça, c'était le langage des apôtres. Ici, les apôtres qui disent, en effet, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous charger davantage, mais vous devez obéir aux commandements suivants qui sont obligatoires. Alléluia. Donc, selon leur dispute qu'ils avaient avec les anciens à Jérusalem, ils ont discuté de ce que nous avons parlé. Ils ont discuté de l'incirconcis et circoncision. Donc, mieux vaut. Donc ici, ils ont quand même conseillé les païens. Alléluia. À Acte 5, 32, la Bible dit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc ici, c'est le Saint-Esprit. Donc là, ils sont en train de témoigner le Saint-Esprit. Dieu donne le Saint-Esprit aux gens qui lui obéissent. À chaque fois, tu obéis même par la parole. Tu as déjà péché. Et Dieu qui connaît le cœur, les rend témoignage. Dieu connaît le cœur. Toi, tu peux te tromper. Tu peux te tromper. Voilà pourquoi nous voyons les gens qui sont élevés dans les églises. Et demain, ils prennent tes membres de l'église, ils fuient avec. Parce que tu as vu avec les yeux charnels. Tu dois faire attention. Tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. Une personne de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est ton maître. C'est un guide. À l'Ancien Testament, même les enfants de Dieu étaient guidés par une colonne. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit peut donner le témoignage. Oui, fais attention avec Brigitte. La gentillesse qu'elle te fait là, elle ment. Le Saint-Esprit est capable de te révéler ce qui est en dessous de l'eau. Et voilà pourquoi tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Ici, c'est l'Église qui envoie. C'est l'Église qui élève. Pas le pasteur, pas l'archibishop, pas l'évangéliste. Mais ici, c'est l'Église et le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons collaborer avec le Saint-Esprit afin d'y arriver à l'œuvre du Seigneur. Sinon, le Seigneur pleure car il a mandaté les gens. Mais nous ne pourrons pas nous inquiéter pour ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous parlions de cinq personnages à l'église. Hérode, Juif, Sadducéen, Pharisien, Chrétien, cinq personnages à l'église que toi et moi nous fréquentons. Voilà pourquoi tu vas continuer à pleurer si tu continues à aller sans l'Esprit Saint. Car le Saint-Esprit sera ton guide. Il sera là comme un support. Alléluia. Quand il voit que trop, c'est trop, lui-même, il va t'arracher de là.
Alléluia. Là, dans leur lettre, ils défendent, ils conseillent aux païens convertis, ne mangez pas la viande qu'on a offerte aux faux dieux. Elle est impure. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Respectez les lois du mariage. Si vous obéissez, pardon, si vous obéissez à cela, vous agirez très bien. Nous vous saluons fraternellement. Là, ils donnent leurs conseils. Ils donnent leur. Ils donnent leur envie. Selon la Bible, selon la loi de la Bible. Comme 1 Jean 5, 21 dit, petit enfant, gardez-vous des fausses idoles. Ça signifiait que ça. Faites attention à adorer les faux dieux. Alléluia. Quand tu adores les faux dieux, voilà pourquoi les enfants de Dieu maintenant adorent les pasteurs. Car un pasteur qui n'est pas mandaté de Jésus, c'est un pasteur qui voudra que la gloire lui revienne. Voilà pourquoi ici, ils interdisent, il les prévient de faire attention, de manger la viande sacrifiée aux idoles. Petit enfant, gardez-vous des fausses idoles. Et pour être à la garde des fausses idoles, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui peut lire les cœurs des gens. Tu ne peux pas. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui n'est pas jamais né de nouveau, il ne peut hériter le royaume de Dieu. Petit enfant, gardez-vous des fausses idoles. Ça signifiait ça. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux de païens qui se sont convertis à Dieu. Ça, c'était mentionné dans la lettre que Jude et Silas ont amené dans leur mission. Écrit par l'Église, par les apôtres, ils protégeaient les nouveaux convertis. Ils les protégeaient. Alléluia! On doit protéger le nouveau converti. Quelqu'un qui débarque dans ton église. S'il a encore 3 maris, laisse-la. Ce n'est pas ton travail. C'est le travail du Saint-Esprit. S'il a encore les boucles d'oreilles ou les locks, laisse-lui. Ce n'est pas ton travail. Et voilà pourquoi les apôtres sont allés à Jérusalem dans la réunion des conciles pour discuter, pour voir qu'est-ce qu'étaient les circoncisions et l'incirconcision. Ils ont résolu au moins de gagner une grande quantité de membres qui pourraient se convertir à Christ. Ici, acte 15 et 19, c'est pourquoi je suis en vie qu'on ne crée pas de difficultés à ces deux païens qui se sont convertis à Christ. Tu dois les laisser tranquilles. C'est les choses de Dieu. Car la Bible dit, venez comme vous vous êtes. L'Esprit de Dieu est capable. Alléluia. Le Saint-Esprit qui a transformé Paul de Tarse. Le Saint-Esprit qui est allé commander Ananias d'aller imposer les mains à Paul. Il est capable. Le Saint-Esprit là n'a pas changé. Alléluia. Le Saint-Esprit qui s'est révélé à Pierre d'aller visiter Corneille. Le Saint-Esprit là est capable. Le Saint-Esprit qui est venu voir Marie pour lui dire, la grâce est sur toi.
tu conçuras un garçon couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de faire la mission. Nous ne pourrons pas agir à la place du Saint-Esprit. Non, nous faisons fausse route. Alléluia. Voilà pourquoi l'Église est malade. Voilà pourquoi les gens qui viennent chercher des délivrances et des guérisons à l'Église, ils aboutissent à rien. Et à la fin, ils sont fatigués. Ils rentrent à la maison chez eux. Et voilà pourquoi les gens qui viennent chercher le Seigneur et qui ne trouvent pas de solution, ils vont voir des féticheurs. Alléluia. Faisons attention, car le compte nous sera rendu. Alléluia. Nous devons faire attention. Celui donc qui rejette ses préceptes, rejette pas un homme. 1 Thessaloniciens 4, 8. Celui donc qui rejette ses préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son esprit. Fais attention d'agir selon toi. Si Dieu n'est pas d'accord avec toi, tu verras des choses. Alléluia. Il y a des gens qui croient seulement, quand tu meurs, c'est là où on te dira qu'on ne t'a jamais connu. Non. Ici, sur cette terre, tu peux payer. On paye ici, sur cette terre. La Bible parle du psaume 109, que les gens mauvais là, même ses enfants soient vagabonds, même leur route soit ténébreuse et glissante. Alléluia, ça dit beaucoup là. Même quelqu'un qui te doit de l'argent ne te paye même pas. Alléluia. Dieu donne au psaume 109 les gens qui se comportent comme ça. Et voilà pourquoi nous devons être la bénédiction de nos enfants. Quelqu'un qui fait du bien, sa descendance est bénie. Oui, tu dois faire attention. Le roi David a dit, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais une vie injuste et abandonnée. Même son fils. Il ne parle pas seulement de l'homme juste, mais il parle même son fils mendiant un pain. Donc ce que toi, tu semeras, tes enfants aussi moissonneront. Nous devons faire attention, c'est les choses de Dieu. Alléluia. On laisse partir Paul, Barnabas, Judas et Silas. Ils vont à Antioche de Syrie. Là, ils réunissent le groupe de croyants et ils leur donnent la lettre. On en fait la lecture et tous sont remplis de joie parce qu'elle les a encouragés. C'était ça la résolution. Pourquoi? Parce que ça venait du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit agit, la mission ne peut pas échouer. Quand le Saint-Esprit agit, la mission est oui, amen. Voilà pourquoi nous devons faire selon le Saint-Esprit. Alléluia. Attendez Jude et Silas qui sont prophètes. Alléluia. Les prophètes, c'est pour le fondement. Et les apôtres, c'est pour lancer, pour la parole. Les prophètes, c'est pour l'édification, c'est pour les conseils, c'est pour... Alléluia. Donc, Jude et Silas, c'était des prophètes. Alléluia. Parlent beaucoup aux croyants pour les encourager et les rendre plus forts. Ça, c'est le travail d'un prophète. Quand tu es à côté d'un prophète et que tu es découragé, ce n'est pas un prophète. Car aujourd'hui, il y a de faux prophètes. Ici, Barnabas était prophète. Et voilà pourquoi il a soutenu Paul jusqu'à Actes 15. Et c'est là où ils se sont arrêtés, séparés. Et là, nous voyons Jude et Silas, des prophètes, qui viennent remplacer. Alléluia. Toi qui travailles sans prophète. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu, tu ne peux rien lui dire. Il a besoin d'agir tout seul. En aveuglement. Nous avons besoin de prophètes qui peuvent nous accompagner dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Un prophète a un don spécial. Même quand il te dit la chose,
Tu dois les recevoir avec la paix. Alléluia. Tout le monde ne sont pas mandatés à aller édifier les gens, non. Tout le monde ne sont pas mandatés d'aller édifier les gens, non. Le prophète, alléluia. En français, lui, second nous dit, Gilles et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent pour plusieurs discours. Ça, c'est le travail des prophètes. Donc, ils ne se sont pas trompés. Car quand on parle de l'exhortation, donc l'exhortation, c'est un mot féminin. Quand on voit les synonymes d'exhortation, c'est animer une personne, appeler une personne, bousculer une personne. Pour aller bousculer une personne, il faut que tu sois mandaté par le Saint-Esprit. Sinon, tu ne vas pas arriver. Alléluia. Conseiller une personne. Solliciter une personne. Déterminer. C'est ça l'exhortation. L'exhortation. Exhorter. Nous voyons le mot exhorter qui signifie encourager. Engagé. Toi, tu veux faire à ta façon. Tu es évangéliste. Un évangéliste, c'est quand il parle, la personne peut quitter l'église. Chacun doit être à sa place. Vous allez voir les gens qui vont visiter les gens dans des maisons. C'est des frères. Oui, moi, je suis évangéliste. Non. Ici, c'est le prophète qui allait édifier, mandaté par l'église, par des frères. Alléluia. Ici, il y a Gide et Silas qui sont prophètes, qui parlent bien. Alléluia. La Bible dit qu'ils parlent bien pour encourager les croyants. C'était des prophètes. Ce n'était pas n'importe qui. Un prophète, quand il vient pour t'édifier, ce n'est pas lui qui parle, c'est un prophète. Ce Dieu, c'est le Saint-Esprit qui dicte. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui parle. Car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé. De la part de Dieu, pour toucher une personne. Tu dois être mandaté par le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous voyons Gide et Silas qui vont exhorter le peuple de Dieu. Exhorter qui vient du mot synonyme. Exciter. Quand toi tu vas avec tes paroles exciter les gens, ça devient la guerre. Ça devient la persécution. Tu dois être mandaté par le Saint-Esprit. Alléluia. Il va te dicter les paroles de sagesse, de consolation. Tu ne dois pas te tromper. Moi, j'ai quitté une église parce qu'il y a le serviteur de Dieu, soi-disant mon pasteur qui est venu ici chez moi à 21h. Et j'ai quitté l'église. Je n'ai pas dormi de la nuit. Alléluia. Nous devons faire attention. Tout le monde ne sont pas mandatés pour aller édifier les enfants de Dieu. Il y a des gens spécifiques pour aller édifier quelqu'un qui est fatigué, découragé. Alléluia. Quand quelqu'un est au bout de sa rouleau, il faut quelqu'un spécifique, pas n'importe qui. Alléluia. Et voilà pourquoi l'église envoie les prophètes. Car le prophète, quand il vient, il parle de la part de Dieu. Il ne parle pas de lui, alléluia. Pas les faux prophètes. On parle de vrais prophètes. Alléluia. Nous devons faire attention. Donc, exhorter, convaincre. Pour convaincre, c'est le Saint-Esprit qui convainc. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et toi, tu vas aller avec tes blabla. Non, c'est pourquoi l'église est malade. Alléluia. Exhorter, c'est pousser. Pousser une personne. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut pousser une personne.
Quand tu vas avec tes blabla, tu embêtes la personne. Nous devons faire attention. Prêcher, presser, provoquer. Alléluia. Exciter, provoquer. Alléluia. Comme la Bible nous dit, la parole de Dieu bouillonne à moi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut bouillonner à une personne. Provoquer, recommander. Alléluia. Tu es qui pour recommander une personne? Il n'y a que le Saint-Esprit. Donc tout ça là, c'était le synonyme d'exhorter. Ou le contraire. Le contraire, c'est quand tu vois, au lieu que la personne soit convaincue, le contraire, la personne va être découragée, démoralisée, détournée de la Bible, menacée. Donc ça, c'est le contraire. Éloignée de Christ. Alléluia. Déconseillée, découragée. Nous sommes dans l'état d'apostasie. Les gens sont découragés. Les saints sont dans les maisons. La Bible dit qu'il faut que ces temps y arrivent. Mais à ces temps-là, tout le monde ne peut pas parler. La Bible, même dans ce monde, on dit, gardez. Même la Bible aussi nous dit, gardez le silence. Lui-même, l'Éternel, peut agir ou combattre. Même le monde nous parle de silence. Oui. Proverbe aussi nous parle de silence. Quelqu'un qui est abattu, qui est au bout de sa rouleau, tu dois lui laisser tranquille. Tu es là seulement pour lui comprendre, pas lui contredire. Vous allez voir quelqu'un qui est enfoncé. Vous allez voir les pharisiens qui sont là. Ah, est-ce que tu pries vraiment? Mais est-ce que... Moi, j'ai vu les gens comme apôtre Paul. Il n'a pas cherché Jésus. Jésus l'a apparu. Et quelqu'un est chrétien, quelqu'un qui est déjà chrétien, et c'est quelqu'un qui a déjà le rapport avec Christ. Donc Christ doit savoir, parce que la Bible dit, lui, il s'élève le dernier, car quelqu'un est au bout. Nous devons comprendre ces choses. Nous ne devons pas, nous ne sommes pas là pour blasphémer pour le corps de Christ. Nous ne sommes pas là pour détruire ce que Christ a bâti. Alléluia. Donc tu ne dois pas venir contredire la personne qui est debout pour lui faire asseoir. Alléluia. Comme la chanson qui a chanté, je viens de Christ loin et je vais loin avec. Nous devons respecter les âmes de Christ. À chaque fois même toi, tu vas gagner une âme. Ce n'est pas toi. C'est Christ qui est derrière. Car depuis le ventre de sa maman, il savait, Dieu savait, comme il a dit à Jérémie, j'étais consacré avant que tu naisses. Donc les gens qui sont chrétiens là, les gens qui sont déjà consacrés depuis l'éternité, nous devons comprendre cela. Oui, quand quelqu'un a grandi, il a eu la connaissance, tu ne dois pas croire que c'est toi. C'est quelqu'un qui a déjà été choisi depuis l'éternité. Alléluia. Des Thessaloniciens 3:12 nous dit, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas eux. Nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Tu dois travailler paisiblement. Les choses de Dieu sont tellement dures. Quand tu trouves un chrétien, au bout de sa force, qui est seulement là pour venir l'encourager. Et c'est pourquoi ils ont mandaté Jude et Silas, juste pour aller encourager. Pourquoi encourager? Parce qu'un côté, la Bible comprend que les gens peuvent être découragés. Donc la Bible comprend que les gens peuvent tomber aussi. Même l'Ancien Testament nous montre, le prophète Élie, au désert, il était tombé. Il avait besoin de manger. Et Jésus, et Dieu a envoyé un corbeau pour le nourrir. Donc, il faut savoir que quelqu'un tombe. Quand tu vois un frère fatigué, tu dois encourager.
quelles que soient les difficultés, un frère qui était zélé, même si tu le vois tomber, oh, il a volé, ou il a péché, tu dois comprendre que les enfants de Dieu sont combattus. Tu es là pour lui soutenir. Allez, frère, lève-toi, on va continuer, car la Bible dit les justes pourraient tomber et s'élever. Viens, viens, on va continuer. Tu n'es pas là à la forcer. 1 Timothée 2, 1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Restons dans la prière pour arriver à l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans les temps d'apostasie. C'est grave. Ces temps-là, prochainement, nous allons voir la prédication de l'apostasie. C'est grave l'apostasie. Les gens qui ne veulent plus Christ. Pourquoi? Parce que toi ou moi, on a mal présenté Christ. Mais c'est grave l'apostasie. Les gens, ils sont découragés. Et voilà pourquoi il a dit à Ézéchiel 35, lui-même le bon berger prendra soin de son brebis. Car ce n'est pas parce que toi, tu as détourné de la parole. Et c'est toi, tu crois que l'œuvre de Dieu est finie. Non. À Ézéchiel 35, il dit, je suis le bon berger. Je prendrai soin de mes brebis. Moi-même, il est tellement capable de prendre une personne en charge. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas baisser. Tu ne dois pas tomber. L'apostasie n'a pas droit à t'atteindre. Alléluia. Car le chrétien doit échapper de l'apostasie. Alléluia. Titre 2:6, exhorte de même des jeunes gens à être modérés. Alléluia. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien, comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui croit être magnifiée. Il exhorte. Les apôtres exhortaient, tu dois donner ton cœur, tu dois séduire. Et voilà pourquoi une première fois à Antioche, on parle des chrétiens. Pourquoi? Parce que les apôtres, parce que c'était d'abord Barnabas. Lui, c'était un prophète. Alléluia. Aujourd'hui, les prophètes sont dans des églises. Ils jouent les rôles des pasteurs. Il faut aller exhorter tous les gens qui sont fatigués, découragés. Un prophète ne peut pas jouer un rôle de pasteur. Non. Un pasteur est là dans l'église pour garder les brebis. Et toi qui parles et que tu es prophète, il faut faire ton rôle d'aller chercher les gens qui sont abattis. C'est ton rôle. Les gens que l'apostasie a atteints. Car autrefois, les chrétiens étaient à Jérusalem. Après la persécution, les chrétiens sont allés de tous les côtés. Et c'était le travail de Barnabas. Antioche, la première fois qu'on appelle chrétien, c'était le travail d'un apôtre, d'un prophète. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Alléluia. À 37, Barnabas veut amener... Là, je commence à 36. Après un certain temps, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter les croyants dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Nous verrons comment ils vont. » Donc, il veut revoir. Il veut, comme nous on dit, suivi. Il veut faire un suivi. Et là, des gens qui sont convertis en Christ, les gens qui ont aimé Christ et qui s'est convertis en chrétien, les païens qui ont reçu Christ, donc ils doivent aller arroser leur travail. Et en effet, nous verrons comment ils vont.
37, Barnabas veut amener avec un Jean, appelé aussi Marc. Avant, ils ont fait la route en deux. Et mais là, maintenant, Barnabas change. Barnabas, il change maintenant. Il dit, non, nous allons pas garder. Moi, je vais prendre Marc aussi avec. Alors, à 38, mais Paul pense qu'il faut, il faut pas le faire. Alléluia. Paul refuse d'amener Marc. Parce qu'il savait, en effet, accompagner, en effet, Marc, Jean-Marc, les a quittés à Pamphylie et il les a plus accompagnés dans leur travail. Alléluia. Donc, Paul était conscient de ce que Jean-Marc les a fait aussi. Parce que c'est quelqu'un qui était d'abord avec et qui les a abandonnés. Alors, comme la Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissances. Et lui, Barnabas, je crois qu'il voulait faire des sentiments. Je crois que c'était les sentiments qu'il voulait, par sentiment qu'il voulait prendre de Jean-Marc. Mais Paul, qui n'était pas sentimental, dit non. Cette personne qui nous a abandonnés, cette personne qui nous a fui, nous qui faisons des choses sérieuses, nous qui avançons, nous qui faisons des choses bien, comment tu veux amener cette personne qui a tellement de distractions? Cette personne qui est tellement aventurieuse. Donc, Paul n'était pas d'accord avec Barnabas d'amener Marc et Jean-Marc. Paul a refusé. Alléluia! Paul, il a refusé. C'est là où ils n'étaient pas d'accord. Parce que Paul n'avait pas les sentiments. Mais Barnabas avait les sentiments. Alléluia. Et voilà pourquoi quand deux personnes se séparent, il faut comprendre, il y a un qui est dans le vrai et il y a l'autre qui est dans le mauvais. Et ils se sont séparés de là. Alléluia. Ils n'étaient pas d'accord. Alléluia. Luc 9:61 nous dit, un autre dit, je te suivrai. Seigneur, mais promets-moi d'aller d'abord prendre congé à ceux de ma maison. Donc, c'était le modèle de Jean-Marc. C'était quelqu'un qui pourrait donner des excuses. Oui, je ne vais pas venir aujourd'hui à la mission parce que je dois travailler. Oui, je ne dois pas venir aujourd'hui à la mission parce que j'ai mon enfant qui est malade. Oui, je ne dois pas venir parce que, tu sais, j'ai tellement de soucis, je ne viens pas. Donc, Paul connaissait ce genre de personnes. C'est pourquoi il a dit, nous, on va dans une mission très lourde. Comment tu vas prendre une personne qui peut s'amuser avec l'œuvre de Dieu? Paul était une personne sage. Il a su qu'avec Jean-Marc, ça ne pourrait pas aller. Et il a refusé sans sentiment. Nous devons arrêter les sentiments. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est ça, le français courant nous dit. Donc, il était un homme irrésolu, inconscient. Alléluia. Donc, il ne pourrait pas aller avec eux. Alléluia. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route comme un Luc. Luc 8. Non, comme Jacques 1:8 il nous dit. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt, il avance. Tantôt, il recule. C'était le modèle de Jean. Déjà, Marc, Paul savait à qui il avait affaire. Tu dois savoir à qui tu as affaire. Tu dois comprendre que tu ne peux pas être avec n'importe qui. Alléluia. Moi, je remercie Dieu parce que tous les gens que je me suis séparé avec, je ne suis plus les mêmes que quand j'étais avec. Ah oui. Quand j'étais là où j'ai fait 12 ans, je prêchais pas, je pourrais exhorter.
Et j'ai quitté là, maintenant j'exhorte. Et quand j'ai quitté Cité Bethel, bon, je me débrouillais pour prêcher. Je prêchais, mais prêchais la prédication. Mais maintenant là, je suis tellement encore avancé. Maintenant, je peux enseigner. Alléluia. Donc, dans la vie, nous devons avancer. Quand tu te sépares avec une personne, tu dois avancer. Quand tu n'avances pas, c'est-à-dire la personne, il a raison. Parce que tu dois avancer. Quand tu n'avances pas, c'est-à-dire la personne qui était avec toi a raison. Alléluia. Et voilà pourquoi nous voyons ici l'apôtre Paul et Barnabas. C'est leur fait. Ils discutent pour Jean-Marc. Alors c'est là, ils vont se séparer. On ne va plus entendre parler de Barnabas. C'est fini. Et après Barnabas, on va le voir dans la Bible retirée là. Vous voyez la Bible qu'on appelle Deutéronomique, la Bible qu'on a supprimée là, les livres supprimés là qu'on voit des fois dans la Bible catholique. Donc c'est là où on voit encore Barnabas, qu'on parle l'évangile de Barnabé, c'est ce Barnabé là. Depuis qu'il s'est séparé de Paul, sa mission chez les chrétiens ont arrêté. Et c'est ce Barnabé là qui a annoncé la venue des prophètes Mohammed chez les musulmans. Donc à chaque fois que tu te sépares avec un frère ou une sœur, tu dois voir. Tu dois voir. La Bible dit on les reconnaîtra par leurs œuvres. Tu dois réfléchir. Depuis que j'ai quitté l'église là, on dirait que je commence à me saouler. Tu dois comprendre ces choses. Tu dois sortir de la distraction. Depuis que j'ai quitté l'église, on dirait que je commence un peu, je ne prie plus. Tu dois comprendre et retourner vite. Car Paul et Barnabas, ils se sont séparés là. Dans une discussion qui était nulle. Parce que Barnabas a fait maintenant des sentiments. Il a voulu prendre ces choses par des sentiments, amener Jean-Marc. C'est comme aujourd'hui dans l'église, vous allez voir les gens qui ne viennent même pas de la semaine à l'église, c'est eux qui prêchent. Alléluia. Oh Jésus. Les gens, oui, je travaille trop. Vous voyez, c'est le travail. Je travaille beaucoup, c'est pourquoi je ne viens pas le dimanche. Je ne viens pas la semaine. Mais le dimanche, il est là, il prêche. Non. La Bible dit, si tu veux suivre ces choses, tu dois porter ta croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, moi je trouve bien de ne pas me marier. Parce qu'il ne veut pas donner des raisons, il ne veut pas. Mais ces gens-là, Jean-Marc, c'est quelqu'un qui n'était pas présent. Car il faisait l'œuvre de Dieu, il n'était pas. Et maintenant, pour un déplacement utile, et c'est là où Barnabas veut proposer d'amener quelqu'un qui n'est même pas présent, qu'on ne sait pas quand on a besoin de lui, il n'est jamais là. Et Paul dit, comment prendre une personne comme ça? Nous devons faire attention. Nous ne devons pas oublier les gens qui sont en permanence en l'œuvre de Dieu. C'est les gens qui sont prioritaires à l'église de Dieu. Quelqu'un qui est là. À l'intercession, il est là. Dans le veillé, il est là. Il est toujours là. Il est toujours là. Sauf quand on est malade, oui. Il y a des exceptions. Quand on est malade, on n'a pas le choix. Quand on est malade, c'est une autre chose. Quelqu'un comme moi, je suis quelqu'un, si l'église est 6 jours par semaine, je suis là 6 jours. Mais depuis que je suis malade, là, ça a changé. Ça, c'est exceptionnellement. Mais, Gide, jamais que ce n'était pas le cas. Mais, il veut, Barnabas veut l'apporter, par sentiment. Et ils n'étaient pas d'accord. Et Paul à Actes 15 et 39, Paul et Barnabas ne sont pas du tout d'accord et ils finissent par se séparer. Alléluia. Faites attention.
Nous voyons des désordres dans l'église. Nous voyons les chrétiens qui sont avec le pasteur. Nous voyons des groupes dans l'église. C'est à peu près le cas. Nous voyons des groupes dans l'église. Les uns sont pour le pasteur, les uns sont pour les anciens. Non, nous devons être ensemble dans l'unité. Barnabas amène Jean-Marc et prend le bateau pour Cypre. On n'a plus entendu parler de Barnabas. Ils se sont séparés là avec l'apôtre Paul. Joseph, surnommé Barnabé ou Barnabas, un juif lévite lié à l'île de Cypre. Alléluia. Qui introduit Paul dans son ministère. Donc c'était ça, c'était la fin de sa mission. Alléluia. Il a fait sa mission avec Paul et ils se sont séparés. Acte 15. Et nous voyons maintenant Silas apparaître avec Gide. Alléluia. À 40, Paul choisit Silas. Les croyants confient Paul à l'amour du Seigneur et il s'en va. Il traverse la Syrie et la Cilicie en encourageant les églises. Paul avait toujours besoin de travailler avec un prophète. Donc Paul était apôtre de Jésus. Et Silas était prophète. Et quand Barnabas était avec Paul, Paul était apôtre. Et Barnabas était prophète. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le pasteur travaille tout seul. Et le prophète aussi travaille lui seul. Non. On est sorti de l'évangile. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons toutes ces choses à l'église. Nous devons faire attention, éveiller à cela. Car le compte nous sera rendu. Les choses de Dieu sont dites. Persévère. Matthieu 10, 23. Oh, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité. Ça, c'est la parole de Jésus. Matthieu 10, 23. Tu as quelque chose à noter, tu notes. Paul et Barnabas secouent leur poussière contre eux. Et ils vont à Icône. Ils étaient persécutés et ils secouent leur poussière. Ils changent. Acte 13, 51. Tu notes. Parce que sinon, tu vas tourner contre Christ et tu vas lui appeler Binzam Binzambi. Christ n'est pas Binzam Binzambi. Christ est véritable. Il est vérité. Parce que tu ne comprends pas. Tu suis à ta façon. Là où on ne veut pas de toi, pars. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. C'est la Bible qui le dit. Apôtre Paul dit à 2 Corinthiens 11, 25, trois fois, j'ai été abattu. J'ai été bâti de vierge. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Ça, l'apôtre Paul nous montre comment lui, il a marché afin de nous donner du courage. Apôtre Paul nous dit, 1 Corinthiens 15, 31, chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, apôtre Paul nous montre les modèles. Quand tu es persécuté, n'arrête pas. Ne reste pas à la maison. Change.
Apôtre Paul et Barnabas étaient fous, étaient à Iconium. Ils ont changé. Ils sont allés ailleurs. Ils ont secoué la poussière. Alléluia. 2 Corinthiens 11, 23. Apôtre Paul dit, mais est-ce que tout le monde sont ministres de Christ? Non. Apôtre Paul dit, tout le monde ne sont pas ministres. Il dit, je parle à homme qui est extravagant. Ici, ce n'est pas l'esprit. Ici, il parle à homme. Je le suis en plus encore. Ici, c'est l'apôtre Paul qui définit son ministère. Alléluia. Tout le monde ne sont pas ministres. Je le suis plus encore par les travaux. Il dit par son travail. Bien plus par les coups. La façon qu'on lui a traité, on lui a tapé. Plus bien par l'emprisonnement. Aujourd'hui, si un enfant de Dieu va en prison, ils vont te traiter de toutes sortes de choses. Donc, nous devons comprendre ces choses. Puis, bien plus, souvent, en danger de mort. C'est l'apôtre Paul. Il montre comment ils ont marché pour nous redonner l'espoir que nous sommes bien avec Christ. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Vous vous rendez compte? Dieu qui veut choisir l'apôtre Paul, il dit à Ananias, va un peu voir cet homme-là. Mets-lui l'imposition des mains parce que je vais lui faire mon instrument. Tu te rends compte un instrument? Un instrument, c'est quelqu'un, c'est un fer. Un fer, c'est un instrument. Un instrument peut dormir dehors. Un instrument peut dormir en dessous de l'eau, comme lui-même il dit. Donc Dieu, le Seigneur Jésus, lui a choisi pour lui faire un instrument. Vous vous rendez compte, un instrument. Alléluia. Donc c'était la marche des apôtres, fréquemment en voyage. J'ai été, 2 Corinthiens 11, 26, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en périr de la part de ceux de ma nation, en périr de la part des païens, en périr dans les villes, en périr dans les déserts, en périr sur les mers, en périr parmi les faux frères. Apôtre Paul nous décrit son mandat, comment ça s'est passé. Donc, nous devons vraiment comprendre ces choses. Acte 13, 51. Paul et Barnabas secouent contre eux la poussière de leurs pieds. Et ils partent à Icône. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Nous parlons des actes des apôtres. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les temps d'apostasie. Il y a beaucoup qui ne veulent même plus écouter de Christ. Mais c'est les gens qui n'ont pas compris. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. L'église n'est pas seulement des chrétiens. Hérode aussi est dans l'église. Hérode, c'est l'ennemi de Christ. Il est dans l'église. Et voilà pourquoi même quand toi tu parles en langue, lui il est fâché. Et voilà pourquoi même quand toi tu imposes les mains et les gens sont guéris et tu vas voir, ils vont chercher de toutes les manières pour que tu travailles plus à l'église. Ils vont te chercher des raisons. Et nous devons comprendre ces choses afin de ne pas se détourner de Christ. Car Christ revient bientôt. Nous avons parlé des actes des apôtres 15, de 22 à 41. Et prochainement, nous allons voir. Nous allons maintenant parler de Paul et Silas. Et nous allons continuer Actes des Apôtres. C'est tellement capital. Et même quand je l'ai commencé, je n'ai pas compris pourquoi. Et maintenant que je continue, j'avance. Et je vois vraiment, c'est pour le fondement de l'Église. Et soyons bénis de l'amour de Christ.
Et je souhaite un bon week-end à tous les enfants de Dieu. Nous allons prier pour la parole. Et vraiment, si j'ai blessé une personne, qu'il me pardonne. Mais la parole blesse. La parole dérange. La vraie parole, alléluia. La parole ne peut pas caresser. Alléluia. Et nous allons prier. Et nous allons parler de ça. Mercredi, en lingala, notre langue. Oui, les mamans, ils sont contents que je parle maintenant. Je fais une émission en lingala. Parce que lingala, c'est notre langue. En lingala, on est bien posé. Et en français, la Bible dit, nous allons faire dans toutes les circonstances afin que la parole soit prêchée. Et voilà pourquoi même si nous fautons, nous faisons des fautes en français, nous ne pourrons pas arrêter. Alléluia. Au moins les messages passent. Soyons bénis. Nous allons prier pour la parole. Merci Seigneur. Jésus, te disons merci pour ton œuvre et pour la parole que tu as envoyée, la Bible dit. Tu as envoyé ta parole pour guérir. Laisse que cette parole, Seigneur, nous guérisse. Seigneur, laisse que cette parole nous ouvre les yeux. Que les écailles soient tombées par la parole, Seigneur, que nous avons écoutée. Seigneur, la Bible dit, tu as envoyé ta parole pour guérir, car la parole, c'est une lampe à nos pieds. Laisse que cette parole nous fortifie, nous édifie. Si nous sommes tombés quelque part, cette parole, Seigneur, nous relève, nous réveille. Seigneur, si nous sommes découragés, cette parole nous redonne la force. Seigneur, si nous avons abandonné, cette parole nous redonne encore l'amour envers Christ, envers l'église que nous avons quittée, envers l'église que nous avons abandonnée. Seigneur, laisse que ta parole nous redonne encore confiance. Seigneur, donne-nous du courage qui vient de toi. Seigneur, car nous avons besoin du courage pour arriver à ton œuvre. Seigneur, viens nous aider, car tu nous as promis que tu nous laisseras jamais jusqu'à la fin. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, de nous aider. Viens fortifier ton église, ton peuple. Viens fortifier, Seigneur, tes servants, tes serviteurs. Seigneur, qui sont de toi, mais qui vont arrêter à cause des juifs et des pharisiens. Seigneur, donne-leur la force. Seigneur, montre-leur leur chemin, Seigneur, à suivre, à continuer. Car tu as montré à Barnabas et à Paul autre chemin, Seigneur. Quand ils ont eu la persécution à Iconium, Seigneur, tu les as changé la destinée. Oh Seigneur, je te confie tes servants, tes serviteurs qui sont abattis à Soubas. Seigneur, je te les confie, Seigneur. Que tu les aides. Que tu marches avec eux. Que tu les accompagnes. Comme tu nous as promis dans ta parole, jamais tu nous laisseras. Tu seras avec nous jusqu'à la fin. Seigneur, soutiens tes enfants, tes fidèles qui se sont convertis en Jésus-Christ. Oh Jésus, tu l'as dit à Ézéchiel 35, tu es le bon berger, tu prendras soin de tes brebis. Prends soin, Jésus. Nous te les confions. Dieu, ne permets pas à l'ennemi de gâcher ton œuvre, Seigneur. Oh, nous te supplions, Dieu, de venir s'élever, Seigneur, comme Christ, alléluia. Comme Emmanuel est parmi nous, nous avons besoin de ton soutien. Oh, Saint-Esprit, c'est ton temps de ministère, Saint-Esprit, de toucher des vies. Yebo Santa Ikababa, d'assister les gens qui sont fatigués, découragés. Saint-Esprit, toi qui se relève, alléluia, toi qui se révèle aux gens, aux hommes. Saint-Esprit, toi qui s'est révélé à Paul, oh, va se révéler aux enfants, à tes enfants qui sont fatigués, découragés. Ils ont besoin de toi, Saint-Esprit. Nous te disons merci, Seigneur, pour la parole. Nous te disons merci pour l'assistance. Nous te disons merci pour une personne qui a été touchée. Seigneur, nous te confions notre week-end. Nous te confions nos familles. Seigneur, nous voulons que tu continues à être le maître. Nous voulons que tu continues à être colonne de fumée pendant la journée et colonne de feu pendant la nuit. Seigneur, comme tu nous les as promis. Seigneur, merci encore
pour tous tes enfants qui auront la force d'aller encore se rassembler, Seigneur, avec tes fidèles dans les églises où tu vas les guider. Au Saint-Esprit, nous avons vu à chaque fois, tu mandatais tes serviteurs, tes servantes. Au Saint-Esprit, sois à la hauteur. Merci encore, Saint-Esprit, de mouver et d'être opérationnel parmi nous. Te disons merci, Seigneur, de continuer à régner. Nous savons quand tu règnes, nous aurons la réussite. Nous allons arriver. Voilà pourquoi nous te disons encore merci pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. C'était la parole. Excusez-moi. C'était la parole. La parole blesse. La parole n'est pas pour caresser. Et voilà pourquoi ils ont tué Jésus. Et parce que Jésus ne mâchait pas les mots. Oui, l'église est malade, nous devons parler. Alléluia. Vraiment, soyons bénis. Je remercie tous mes bien-aimés qui étaient avec moi. Aligne, nous allons voir, parce que quand on clique pas, donc après je ne sais pas voir, hein. Donc je vois que les gens qui ont cliqué, dis à Jean, sois béni, et Nancy, Luboya, Cissé, sois béni, Denis, Mangema, sois béni, Dorcas Boke, sois béni. Alphonsine Kapinga, sois béni. Bovic Ambioyo, sois béni. Nadine Pidi, sois béni. Donc, je ne vois plus les autres. Whitney Bro, sois béni. Robert Nico, sois béni. Elisabeth David, sois béni. Dorcas Lelo, sois béni. J'ai béni tout le monde qui était avec moi. Vraiment, soyez bénis de l'amour de Dieu. Et si le Seigneur ne vient pas, nous allons nous retrouver mercredi par l'amour du Seigneur, parce qu'il va nous permettre quand même de nous retrouver. Et je m'excuse encore si j'ai blessé une personne. Des fois, quand je parle fort, parce que j'ai le problème de souffle aussi, je dois souffler. Et c'est parce que aussi, je parle comme un prophète. Alléluia. Donc, soyez bénis. Soyez bénis de l'amour de Christ. Comme j'ai toujours dit, les rôles des prophètes, c'est pour édifier et c'est pour corriger aussi. Et c'est pour exhorter. Nous avons vu les différences, les synonymes d'exhortation. Donc, quelqu'un qui veut corriger les enfants à la maison, il va pas avec l'amusement, et il va droit au but, mais sagement, pour que l'enfant ne quitte pas la maison. Soyons bénis de l'amour de Dieu. Bye bye, je vous aime, de l'amour de Christ.